Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui parce que j'ai fait une toute petite bêtise encore. Ouais, j'ai encore fait une bêtise, donc vous voyez, je suis en... Pardonnez-moi. Non, j'ai encore fait une boulette. Alors, je ne sais pas quand est-ce que cette vidéo sera postée au moment où je vous la tourne. Je ne sais pas, je verrai bien. Mais il y a des copains et des copines sur Instagram qui ont dit « Waouh, il y a des... offres de ouf sur Super Joseph avec le Black Friday et tout. Franchement, ça vaut trop le coup et tout. Qu'est-ce que je fais, moi? J'entends l'appel des sirènes. J'y vais. J'aurais pas dû. Bon, il y a un souci. J'ai reçu. Le carton est ouvert. Donc, je sais pas si c'est quelqu'un qui a essayé de voir ce qu'il y avait dedans. Moi, j'en sais rien. Mais le carton est complètement explosé d'un côté. Donc j'ai reçu ça ce matin et j'ai attendu d'être tranquille. Bah, de faire ce que j'avais à faire, de la journée, tout ça, donc j'ai dit je vais tourner ça avec vous. Comme vous avez dit que je vous ferai un unboxing, le premier vous aviez l'air d'avoir plus ou moins aimé. Et je savais plus de trop ce que j'ai commandé, enfin j'ai... ça a été vite, hein. J'ai commandé vendredi ou samedi, et aujourd'hui on est mercredi, donc c'est arrivé super vite. Ça a été envoyé lundi, mercredi était là. Bon, allons-y. Ah oui, autre petite précision, il se peut qu'au moment où je vous tourne cette vidéo, on est... le 23 ou le 24 novembre. Et comme je vous l'ai dit, je suis en plein Black November. Et du coup, quand le roi arrive en prince, non, mais moi, j'achète pas de livres pendant Black November, je prends dans ma palle. Non, alors avant, j'en achète pas pour faire ma palle. Par contre, pendant, j'en achète plein. Donc ça ne sert à rien ce que je fais. Ah bref, allons-y. Alors, je vais essayer de plus. J'espère que c'est pas abîmé. Désolé, hein, du coup, je vois ce que c'est parce que j'ai pas le choix, mais ça a l'air d'être en bon état. Parce que les prix étaient ouf, hein. C'était de l'occasion, mais il y a des trucs genre tu les payais 2 euros. J'ai réussi à avoir un livre qui est sorti, je crois, le mois dernier, et que je voulais, et je me suis dit, je vais attendre qu'il sorte en poche. Et au final, je l'ai eu pour, je sais plus, 12-13 euros au lieu de 20, quoi. Bon, je trouve que c'était pas mal pour un livre qui vient de sortir, c'est énorme. Bon, bref, allons-y. Je prends comme ça vient. Donc, nous avons d'abord Dean Koontz avec La chasse à mort chez Archipoche. Donc Dean Koontz, j'aime plutôt bien. Donc, je vais vous lire comme à la fois bêtement les résumés, vous découvrirez en même temps que moi. Donc deux créatures étranges s'échappent d'un laboratoire scientifique ultra secret se livrant à des manipulations génétiques. Le premier de ces cobayes, Einstein, un golden retriever hyper intelligent et sensible, est recueilli par Travis Cornell, 36 ans, ex-membre de la Delta Force, une unité d'élite de l'US Army. Le second, le plus dangereux, aussi sauvage que sanguinaire, recherché par les services secrets, n'a qu'une obsession, retrouver Einstein et le tuer. La traque commence. Ça a l'air d'être franchement sympathique. Il y a des chiens, donc moi je kiffe. Mêlant suspense et sentiments, un roman, son meilleur à ce jour, à la croisée de Frankenstein et de l'île du Docteur Moreau. D'ailleurs, l'île du Docteur Moreau est dans ma palme, mais comme c'est un classique, il me fait super peur. Beau bébé, hein, je ne sais pas... 575 pages. Ah, c'est bête, ils ont pas mis les prix. Mais en fait, ils disent que c'est de l'occasion. Je me demande si c'est pas du neuf. Parce que derrière, vous avez pris 8,95. Donc celui-là, qui me tente beaucoup. Là, on est plus dans de la SF que dans du polar. Ensuite, celui-ci, Le jardin des papillons de Dot Hutchinson. Donc un thriller. Séverine en a beaucoup parlé, elle avait beaucoup aimé. Donc il me tentait pas mal. Donc ici, la beauté, le désespoir ou la peur étaient aussi communs que le fait de respirer. Donc dans un immense jardin où il y a plein de fleurs et de plantes rares, le FBI découvre des dizaines de cadavres où il y a des jeunes femmes qui ont le dos tatoué par des ailes de papillon. Et du coup, les victimes ont appelé cet homme cruel le jardinier, donc le tueur. Et son obsession, c'est capturer, apprivoiser et immortaliser les plus beaux spécimens avant que leur beauté se fane. Et parmi les survivantes, il y a une femme, Maya. Et plus l'enquête avance, plus la femme elle devient mystérieuse, elle est comme une énigme. Et du coup, tout le long, on se demande ce qu'elle dissimule aux enquêteurs. Et la dernière phrase est quand même pas mal, c'est « Au fur et à mesure que la jeune femme se confie, les enquêteurs sont emmenés loin, très loin, aux confins de la noirceur de l'âme humaine. » Peut-être pas le lire tout de suite, hein. Moi au niveau noirceur, là j'ai quand même donné.
C'est chez City Poche. Il fait 4 champages. Bon, et l'arrière, il est juste un tout petit peu abîmé. Bon, non, franchement, ils arrivent en bon état en plus. Ensuite, nous avons... Ah, je suis content, pareil, il est sorti il y a peu de temps. Moi, j'avais fait le jeu sur PS3. Donc, c'est une novélisation du jeu Ico. Alors, le jeu est de... Fumito Ueda. Il a fait aussi... il a fait Ico, il a fait Shadow of Colossus, il a fait The Last Guardian. Et il a des jeux vidéo assez spéciaux, où il y a vraiment une narration qui est vraiment mise en place, avec un univers bien singulier. Et il raconte vraiment une histoire à travers... le jeu, donc il y a autant le gameplay que le jeu qui est vraiment, loin que l'histoire qui est travaillée. Il y a vraiment une poésie derrière, c'est vraiment très beau, même jusqu'à la bande son qui est vraiment travaillée. Et franchement, j'avais beaucoup aimé le jeu, donc j'ai bien envie de découvrir ce qu'ils ont fait en livre. Donc c'est de Miyuki Miyabe, donc c'est Ico, le château dans la brume, le livre premier, donc il y en aura plusieurs. C'est de Ijinis, c'est ceux qui font, vous savez, toutes les novélisations, le voyage de Chihiro, je crois, me semble. Kiki la petite sorcière, il y a aussi le château ambulant. Enfin bref. Et il est sorti au mois d'août. Donc bon, là par contre c'est plus classé young adulte, je pense, vu la maison d'édition. Le fameux dont je vous parlais que j'ai vu chez Dorian, donc Monsieur Cabric, Aliéné de Fabrice Papillon chez Plon. Donc c'est encore de la SF. Ici nous sommes. Un thriller scientifique même, je vous dis des bêtises. Nous sommes en mai 2022 et à 400 km de la Terre, il y a une station spatiale qui sombre dans une nuit artificielle. Et tandis que tout l'équipage dort, il y a un cadavre éventré qui flotte dans la station. Et le même jour à Lyon, il y a le corps d'un biologiste américain qui est retrouvé à 30 mètres de profondeur dans un mystérieux réseau de galeries souterraines et qui a été éviscéré. Et pour quelle raison les deux Américains ont perdu la vie en même temps ? Et il y a Louise Vernet qui est commandant de la PJ de Lyon, qui est en charge du second homicide. Il va rencontrer un moine jésuite, astrophysicien et directeur de l'observatoire du Vatican de passage dans la ville qui avait rendez-vous avec la victime. Et lui, il laisse entendre que des signes d'une présence extraterrestre se multiplient, qu'elle pourrait bien être à l'origine de ces deux meurtres. Un thriller unique d'une intensité folle, entre action et réflexion, ce roman ne laisse pas une minute au lecteur pour respirer, une intrigue osée, incroyablement inventive, tout autant qu'érudite. Aussi dingue qu'ambitieuse et intelligente. Mais écoutez, ça a l'air d'être un peu différent de ce que je lis d'habitude. Et ça m'a l'air, ma foi, un petit 500 pages quand même. Et c'est pareil, hein, il vient de sortir, je crois. Octobre 2021. Celui-ci, je vous avais présenté dernièrement le premier que j'avais commandé. C'était dans le précédent unboxing. Donc là, c'est le tome 3 de La Guerre du Lotus. Il ne me restera que le 2 à essayer d'avoir. Donc de Jack Christophe. Guerre du Lotus, tome 3. Hensinger, donc de Jack Christophe aux éditions Big Bang. Donc j'avais pas encore lu le 1, mais j'ai le 1 dans ma palle. Là celui-ci du coup, je gagnais pas mal de sous dessus, donc je l'ai pris, puis le 2 je ferai plus tard. Si vous entendez respirer dans la vidéo, c'est ma chienne qui est en train de dormir. Parce que quand je fais un unboxing ou un bilan lecture, elle, ça la berce. Chacun est au son compte. Ensuite, j'ai pris du coup un deuxième de Dean Koontz, donc toujours c'est Archipost, c'est Les Yeux des Ténèbres, le thriller qui a enflammé les réseaux sociaux. Ici, on va suivre Danny qui a 10 ans, qui est mort dans un effroyable accident, et sa mère, elle n'a pas été autorisée à identifier le corps. Et un an plus tard, il y a des signes qui prouvent à sa mère que son fils sera toujours en vie, et elle veut le retrouver et découvrir la vérité. Mais la mère, elle dérange et les services secrets tentent de l'assassiner et elle se demande qu'ils ont à cacher. C'est un thriller qui est paru en 1990 et qu'ils ont republié parce qu'il y a d'étranges similitudes avec le mystérieux virus du Covid-19. Donc on le voit comme un thriller un peu visionnaire du coup, vu que c'est sorti il y a 30 ans. Et c'est ça qui m'a persuadé de l'acheter. Également, La Porte de Boche de Christophe Vaz aux éditions Pocket. Pareil, je l'ai vu passer sur quelques comptes. Moi, j'avais lu Le Mystère Jérôme Bosch l'année dernière, ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Et j'avais bien aimé, donc je me suis dit, là, on sera plus... À l'époque, sur ceux que j'avais lu, c'était plus... c'était de Peter Kempf. Moi, je ne sais plus, non, je vous le mettrai aussi. On était plus sur la signification du tableau, donc il y avait vraiment un gros côté historique. On suivait vraiment Jérôme Bosch au quotidien et tout ça. Qu'ici, il semblerait qu'on soit plus dans du fantastique.
Donc ici, on va suivre Otto Van Helsing, qui sait que le tableau qui contemple tous les jours est l'original de Jérôme Bosch, même s'il n'a jamais été authentifié, et il se rend compte un jour qu'en fait, il y a des créatures sur le tableau qui disparaissent, et il va retrouver un dans sa bibliothèque. Donc il va faire appel à Rebecca Decker, qui est une cartomancienne qui est spécialiste de phénomènes occultes, pour l'aider à savoir le pourquoi du comment de cette histoire un peu farfelue. Et Rebecca, elle ne sait pas encore, mais elle devra bientôt se lancer dans une course contre la montre, donc sur 3 continents. Dans un enjeu qui va la dépasser. Écoutez, ça m'a l'air prometteur. On replongera dans le sublime tableau de Jérôme Bosch. Et ensuite, découverte d'un auteur. Bon, il y en a un, j'en ai déjà 2, mais je ne l'ai jamais lu encore. Et c'est un auteur très très connu. C'est Olivier Norek. Donc ici, avec Surface et Entre deux mondes. Donc que j'ai payé vraiment rien. Donc ceux-là, je pense que c'est vraiment des occasions, ou alors c'est le carton qui sont été un petit peu chamboulé. Hein. Je ne sais pas si vous verrez, ils sont un tout petit peu abîmés. Enfin, c'est pas non plus. Donc je sais que dans celui-ci, on suit une femme qui a été défigurée lors d'une intervention, quelque chose comme ça. Capitaine de police. C'est marqué ici, personne ne veut plus de cette capitaine de police, là-bas, personne ne veut de son enquête. Donc, nous testerons cela. Celui-là est un petit peu allumé. Et entre deux mondes, pareil, le résumé est très vague, c'est Adam a découvert en France un endroit où on peut tuer sans conséquence. Donc, comme vous le savez, je pense pour la plupart, Olivier Norek, à la base, il était policier, donc il s'inspire beaucoup de ce qu'il a connu. Je sais pas s'il est encore, d'ailleurs. Et du coup, il retranscrit ça et il paraît que c'est vraiment bien. Donc, moi, j'avais pris un pacte que vous avez vu dans un bookhaul. Donc là, j'en ai 3, c'est déjà bien. Il faut que je tente. Et après, il y a la trilogie Code 93, Surtension et... Je ne sais plus. Bah, ça doit être écrit là. Est-ce que c'est écrit ? Territoire, voilà. C'est Code 93, Territoire et Surtension. Donc, c'est celui qui est venu après. Nous verrons cela. Et pour finir, pareil, pour finir une trilogie, pareil, j'ai le premier, je ne l'ai pas lu, mais il y a eu énormément de bons retours. C'est la trilogie de Nicolas Buckley. Donc moi, j'ai le cri et le dernier message que j'ai trouvé d'occasion. Donc là, j'ai trouvé les 2 autres. Pareil, pas très cher. Hein. Il y avait Le Complot et L'Île du Diable. Je ne lirai pas les résumés parce que forcément, c'est le même enquêteur. Je ne sais pas si c'est la même affaire qui se poursuit ou si elle est différente, donc je ne veux pas tenter le diable, justement. Et nous verrons bien. Donc voilà pour le petit craquage. Je sais qu'en tout, j'en ai pas eu pour si cher que ça. Tout ça, j'en ai eu pour... Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... J'en ai eu 11 livres, et je crois que j'en ai même pas eu pour 50€, un peu plus, je ne sais plus. Mais ça valait vraiment le coup. Est-ce que j'en avais besoin? Non. Est-ce que j'en avais envie? Oui. Donc voilà, ben, j'espère que ça vous aura plu. Je pense que là-dedans, il y en a que vous devez avoir lu, parce qu'on est quand même dans des trucs un peu plus classiques que d'habitude. S'il y en a que vous avez lu, vous pouvez me dire ce que vous en avez pensé. S'il y en a que vous voulez que je lise en priorité, vous me le dites. Et je verrai à ça prochainement. Ben, écoutez, sur ce, moi, je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à bientôt. Salut.